Dans une casserole avec de l'huile d'olive, je fais revenir mon oignon émincé. J'ajoute ensuite les petits pois, le cube de bouillon, 10 cl d'eau et je cuis à couvert pendant 20 minutes. Je verse mes petits pois dans mon robot mixeur et je vais réduire le tout en purée avec mes 10 g de beurre. Je rectifie l'assaisonnement et je réserve au chaud. Pour préparer mon condiment anchois, je mets mon oignon émincé dans une casserole avec un peu d'huile d'olive et je fais revenir le tout. J'ajoute ensuite mes anchois, ma chapelure et je réduis le tout en purée. Je laisse griller une minute sur feu vif. Dans une casserole, je mets la crème fraîche, le bouillon de légumes ou de volaille. Je le chauffe. Pendant ce temps, je porte à ébullition l'eau pour la cuisson de mes pâtes. J'ajoute le fromage coupé en petits morceaux et je chauffe pour fondre ce fromage. Je cuis mes pâtes 5 minutes selon les indications du fabricant. Je mixe la crème. J'égoutte mes pâtes et je les mets sur une assiette. Puis, je dépose un peu de condiment au fond de chaque pâte. Je prends maintenant chacune de mes pâtes. Je prends l'émulsion de parmesan et je la verse dans les assiettes. Ensuite, je décore avec des petits pois frais. Des copeaux de parmesan et mon assiette est terminée.